Bonjour, bonsoir mes amis. Et maintenant, je vais parler français. Je vais essayer de parler plus français parce que ça, c'est très important. Ok, hello dear friends. I need to speak French for some important reason. And now I will do it. Try to make this video completely in French, okay? Excuse me if you do, if that is not making you happy. Okay, bonjour mes amis. Maintenant, il faut que je parle français parce que c'est très important pour moi, pour quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un cr chinois. C'est l'encre chinois avec un ink stick, un stick, un bâton. L'encre chinois, c'est très, 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 très noir, très foncé, très fort. Au début, c'est pas très fort parce que il y a pas mal de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Et comment on fait cette encre plus foncée? Il faut toujours tourner, tourner, grind, tourner, tourner. Qu'est-ce que au début, tu entends? C'est ça, c'est pas bon parce que il y a des sables et des petits trucs qui n'est pas pur. En laisser comme ça pour quelques minutes, on dit 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, à peu près comme ça. Si tu trempes dans l'eau trop longtemps, par exemple 2 heures, 3 heures, ça va détruire l'encre, c'est pas bon. Donc quelques minutes, ça va. Je fais avec de l'eau froide, et on peut faire avec de l'eau froide, avec de l'eau tiède, ambiant, mais pas trop chaud. Pas trop chaud. Ok, on va entendre quelques minutes, et dans ce moment, je range un peu et je me prépare. Parce que fais la peinture chinoise, fais la calligraphie chinoise, il faut être tranquille, il faut très, très, très calme. Et tu sens relaxant, tu sens calme, tu sens vraiment c'est avec une ambiance et avec un sentiment, laisser faire, et laisse passer et calme. Ok. Et pour l'instant, je vais expliquer une chose que je fais et que je travaille avec la papier chinois, la papier chinoise. Ok, maintenant on va regarder les papiers. Ça, c'est papier chinois. Non, c'est pas papier chinois, c'est papier japonais. Tu vois, il y a quelques tissus avec la texture dedans. C'est comme soie. Ça a l'air super. Il y a deux côtés, cette papier. Et normalement, les deux côtés, ça marche. Mais ça dépend des personnes. Moi, j'adore quand j'écris quelque chose, toujours. Pas trop glissant, pas trop smooth. Je veux quelque chose. Donc, un peu, quand
du touch, un peu mat, un peu pas glissant. Donc, je veux bien prendre cette côté, le côté plus rough, plus... Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. Ok, je vais couper un tout petit pièce. Et on va voir comment ça marche. Ok. Et le long, ça, c'est un peu souple, un tout petit peu, mais pas trop. Il faut encore tourner, grind. Il faut chercher le mot grind. Ok, je vais chercher le mot grind en anglais, en français. Français, Google Translate, traduction sur Google. Ok, grind. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Google grind. Grind ink. C'est anglais et français, c'est French. C'est broyer l'encre. Broyer. Il faut broyer. Et continue. Broyer. Broye. Ok, j'ai jamais entendu ce mot. Ok, on va essayer. Ok, celui-là, ça marche. Ok, on va essayer. Si, quand c'est tout. De l'eau, ça expande partout. Et quand il y a l'encre, on va voir, ça bouge beaucoup moins, n'est-ce pas? Oh, oh my goodness, I love it. C'est superbe. Ok, je mange. Ok, dans quelques minutes, ça va être bon. Mais il faut continuer de le faire. Ok, c'est le temps de dîner à table à plus tard. D'accord? Ok, il y a quelques heures. On va continuer. Et j'ai fini mon dîner et je range et je reste, fais un petit reste, un petit break, pas sieste. Et ça c'est très 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 épais maintenant, c'est un peu trop épais et le pinceau ne bouge même pas. Oh, ça va. Mais ça, c'est un papier de watercolor. Avec ça, regarde. C'est un peu trop. C'est trop foncé et c'est trop. C'est trop. Dry. Too much. Donc, il faut mettre un peu plus d'eau. On va voir. Donc, celui-là, c'est le papier de calligraphie et peinture japonais. C'est plutôt pour sommier
Regarde, quand il a plus d'eau et quand tu bouges lentement, ça comment on dit en français? Je cherche Google Translate. Encore, qu'est-ce qui se passe? Chinois, c'est in. In English is blur, c'est bleu. C'est brouille, brouille, bouillet, brouillé, c'est un peu brouillé, 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 c'est un peu brouillé, c'est bizarre. So, you move it fast. And depending on the speed of your brush. Oh, this is such a beautiful paper. Now we will do the flower. So, maintenant je fais la fleur. Il faut moins foncé et beaucoup plus léger. Léger, très léger. Non, c'est pas léger. Encore tout foncé. Pas facile. Oh wow, I love this paper. C'est superbe. Ok, je vais faire. Wow, pour calligraphie, c'est superbe. Choufa. Oh, ça m'a donné envie d'écrire. Wow. Ok, ça c'est calligraphie chinoise avec le papier qui est fabriqué au Japon. Et très joli. Et ça se vend en rouleau. Tu trouveras dans le magasin Ichi. Ok, je vais continuer avec une note. Une autre vidéo, une autre vidéo en anglais, d'accord?
Maintenant, je fais une fleur. On commence par le centre, mais je fais pas un rond. Je pense un rond-point, un rond, mais je fais tout ta 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 ta. Et après, je fais une pétale et une note pour remplir la forme. Et pour plus facile, je tourne le papier un tout petit peu et je fais la deuxième pétale et toujours vers le centre. Le point et le centre, c'est à peu près en ligne, mais pas tout à fait. Si tout à fait, c'est pas nature, n'est-ce pas? Il faut un tout petit peu de liberté. Comme ça, tous les pétales, c'est 2, trait 1, 2, n'est-ce pas? Ok, je fais un peu plus agrandis un peu. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est un peu. Un peu pas la forme parfaite, c'est tout à fait, c'est tout à fait très bien parce que on veut faire le fleur qui est libre, qui est nature, qui est pas très symétrique, c'est pas mathématique, n'est-ce pas? Mais j'aime mes métiques de toute façon. Ok, c'est le fleur tout à fait libre. Ok, on fait la deuxième couche. 1, 2, 2 traits. 1, 2, 2 traits à gauche sur vers le centre. Et à gauche. Et à droite, le centre, et à gauche, et à droite, ok, le centre, et on a bu un tout petit peu, et on a bu un petit peu, et on tire un peu, voilà, a bu un petit peu, et tire un peu, a bu un petit peu, tire un peu, a un petit peu, tire un petit peu, a pu et tire, a pu et tire. Ouh, cette pétale est trop grand, n'est-ce pas? Ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est à peu près comme ça. D'accord? Bonne nuit.